Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Eh oui, c'est juste pour nous, rien que pour nous. Nous qui parlons cette langue de manière, ils voulons tout comprendre, tout savoir, sans détour. On est le 6, lundi 6 mai 2019, 15h50, chers amis, beaucoup, beaucoup d'activités de trou coronal. Et il y en a un qui se dirige, qui s'est dirigé hier ou aujourd'hui vers le sud, sud-ouest, le Pacifique. Ça devrait être aligné avec le Pacifique et ça va amener certainement son lot d'inquiétudes pour des événements majeurs, c'est des tremblements de terre. On a un avertissement sûrement qui va suivre. On peut sûrement, sans se tromper, parler d'un avertissement pour ces régions-là lorsque ce trou coronal et ces vents, même si on est dans des eaux de tempête géomagnétique de catégorie C, c'est très inquiétant de voir toute l'activité qu'il y a autour de ce soleil et de ce trou coronal. Hein. Et ça va sûrement amener son lot de... Et ça, c'était hier, de conséquences, et ça a déjà commencé, il y a un essaim hein, qui a frappé de séisme l'océan Pacifique au large de la côte nord de la Californie. Samedi et dimanche, au moins 5 petits tremblements de terre ont secoué samedi et dimanche l'océan Pacifique. Au sud-ouest d'Eureka, au large de la côte nord de la Californie, la plus grande avait une magnitude de 4,8 et aucun dommage associé au tremblement de terre n'a été signalé. Mais aujourd'hui, la carte du séisme 2,5 est vide. Assez bizarre, non? On a eu ces tremblements de terre-là, et là, tout à coup, la carte est vide. Les tremblements de terre les plus forts, qui se sont produits principalement dans la zone très active, près de la côte nord, ont été regroupés à environ 150 000 au large de Ferndale. À la fin de la nuit du 4 mai, des séismes d'une magnitude de 4,8, 4,3, 3,3 et 3,2 ont tous frappé sur la surface de l'océan. C'est un phénomène courant dans la région. La côte nord est la jonction de trois plaques créant la triple jonction de Mendocino, très, très, très actif. La poussée et la traction des plaques conduisent à une activité sismique accrue. Les séismes dans l'océan d'une magnitude supérieure à 2,5 rapportés par l'USGS, samedi et dimanche, incluent un séisme de magnitude 3,1 dans l'océan Pacifique, 3,3 à l'ouest de Ferndale, en Californie, et un de 4,3 samedi dans l'océan Pacifique. Et un de 4,8, encore dans l'océan Pacifique, à 164 000 de Ferndale, et un autre de 3,2. Un sixième tremblement de terre dans la grappe a touché un terrain à 18 km au nord-ouest de Petrolia, en Californie, une magnitude de 2,8. Espérons que ce n'est pas le signe pour le prochain Big One. Donc, très important, on a voir d'activités coronales et des vents, hein, qui vont se déplacer à une vitesse hallucinante, comme d'habitude, et qui peut-être viendront, avec l'affaiblissement de la magnétosphère, encore une fois, perturber et donner beaucoup d'activités sismiques qui pourra déclencher peut-être le Big One un jour.